du vaccin Sinovac. La propagation du coronavirus et satisfaire le besoin local ici en Égypte de vaccins. 300 000 doses pourraient être produites par Vaxera, le groupe pharmaceutique égyptien peut produire 300 000 doses par jour. Nous avons examiné avec la Chine et l'ambassadeur chinois ici en Égypte, de la possibilité de l'augmentation du redoublement de doses pour pouvoir couvrir un grand nombre de citoyens et vacciner le plus grand nombre de citoyens en Égypte. Pour que 40 000 citoyens pourraient être vaccinés ici en Égypte, outre les autres contrats avec des firmes, des groupes pharmaceutiques internationaux pour recevoir des vaccins anti-COVID. Ce virus ne va pas disparaître d'un jour à l'autre, donc il s'avère impératif qu'il y ait un vaccin annuel disponible pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Je vais examiner avec la ministre de la Santé, Hala Zayed, la possibilité. Je vais inspecter avec la ministre de la Santé un nouveau groupe pharmaceutique, une nouvelle usine de Vaxera dans la ville du 6 octobre, qui pourrait produire. Pourrait produire 40 000 doses de vaccins par jour. Nous sommes en cours de finaliser des accords avec des groupes pharmaceutiques internationaux pour la production locale des différents vaccins ici dont on a besoin ici en Égypte. Les vaccins infantiles indispensables pour chaque enfant. Nous examinons avec les pays, avec des groupes pharmaceutiques internationaux pour la production locale, pour commencer la production locale de ces vaccins pour réaliser l'autosuffisance en vaccins infantiles. L'Égypte, nous employons pour que l'Égypte récupère sa position
sa position et sa puissance d'antan. C'est une sécurité nationale de la production locale de tous les vaccins et la production des médicaments nécessaires ici en Égypte s'avère un impératif pour réaliser. Constitue une partie intégrante de la sécurité nationale de l'Égypte, comme le confirmait toujours le président de la République Abdel Fattah al-Sisi. L'État égyptien est devenu actuellement capable jusqu'à présent de gérer la crise de la pandémique grâce à l'assistance de Dieu. On n'a pas senti un grand problème, on n'a pas souffert d'une grande crise. Je me suis enquérie de la ministre de la Santé, ma collègue la ministre de la Santé et des responsables de la disponibilité des médicaments nécessaires pour le traitement de la COVID et de l'oxygène nécessaire pour le traitement des COVID. Aujourd'hui, nous assistons au lancement de la production locale du vaccin anti-COVID Sinovac par le groupe pharmaceutique en Égypte, Vaxera, et je leur souhaite un grand succès.